الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبركاته. Donc il y a une chose concernant conditions qu'on applique, capital punishment. Le sujet pour mes affaires, c'est nous sommes dans un État islamique. Quand nous sommes dans un État islamique, ça veut dire chef d'État là, c'est lui qui vous applique la loi. C'est-à-dire, lui vous délègue, ben, du monde qui concerné dans l'autorité. Nous sommes dire, concernant ça, du monde qui peut appliquer capital punishment, là, il a besoin d'atteindre l'âge de balir, il a besoin Saint-Esprit. Et nous sommes dire aussi qui, pour besoin un an, concernant un quelqu'un qui commet l'adultère, pour nous appliquer la loi, là, faudrait qu'il nous finisse quatre témoins simultanément. Ça veut dire que tous les ensemble, nous sommes prouvés. Maintenant, l'autre condition encore qui nous a. Concernant ça, dit nous, si nous amenons une fille mariée, il n'est pas pour gagner une stone to death. Il n'est pas pour gagner lapidation. Si nous amenons une mariée, il est pour gagner son coup de fouet. C'est-à-dire pour la première fois. Et si arrivé, il fait la deuxième fois, définitivement, lapidation. Maintenant, concernant un qui lit, il finit commettre l'adultère, ça veut dire l'immorier, c'est-à-dire une madame, c'est dans ce monsieur, une commette l'adultère, ou soit une monsieur. Il y a dans ce madame, une commette l'adultère, là qui peut arriver là, là, c'est lapidation en mort. Maintenant, la loi de l'islam, il préconise que lapidation nous fait lire en public. Donc, qui fait, qui s'agit ce qui nous a là-dedans? Par exemple, nous pouvons exécuter en public, pareil, un diminuant qu'aucun ici, toujours belle condition appliquée là-dedans. Qui s'agit ce qui nous a là-dedans? C'est qui? Faites-moi dire, une cause concernant un type qui vient de crime. Nous disons que l'ensemble qui peut guider là, nous trouvons qu'il peut-être, bon, plusieurs milliers de monde qui peut guider ça. Nous disons que plusieurs milliers qui viennent là, peut-être 100 du monde qui, je dois se plater, je dois se faire pour faire crime. Quand nous faisons ça, nous avons l'effet psychologique de ça du monde là. Ça veut dire, faites-moi dire, pour finir carrément pour tout le monde. Un tel, pour arriver, on va arriver. Finalement, on va arriver à une licence en psychologie. C'est-à-dire, licence en mindset, sport, métier. C'est-à-dire, qui c'est un type de tel, même il est capable de faire zoom avec toi, mais c'est moi, après ça, tu es sûr de la vie, il faut aller, pareil. C'est-à-dire, nous allons dire peut-être 90% du monde, je ne parle pas 7%, et il y en a quelqu'un qui se trouve, il faut dire, avec tes brillés, je te pourrais, pareil. L'autre petite chose, l'autre. Favori que nous faisons dans cette analyse-là, c'est que quand nous l'appliquons, c'est ne pas prendre trop ben tiros, trop ben gros aussi. Donc, ben ça mange, je vous remets une affaire. Bien sûr, nous prenons trop gros, ça veut dire que nous prenons trop vite. Et si nous prenons trop ben tiros aussi, ça veut dire que parce que vous venez, tu as appris des animaux, la prochaine. Ça veut dire que nous prenons trop mais vous trop d'or des hiboux pour les mots. Ça veut dire que tu prends un gros mondial, un juste. Milieu, comme ça, va dire, punition, il faut bien extraire un petit, ça veut dire le dunia, mais c'est après ça, il faut finir par bon, l'amour. Le favori que nous tirons encore concernant la langue, c'est qui ressource à la loi, il dit, dans le hadith, il a pas tel doum, pas assez de tête là. Il dit, quand je fais tuer, ça veut dire djihad, c'est quand il dit tuer avec gentillesse. Tuer avec gentillesse, ça veut dire nous gagner le droit, le soin de bataille, nous massacrer à l'indimoun. Parce que l'objectif, ça dira, concernant le djihad, c'est pas ça. L'objectif, charia. Là, il vous donne l'autre bout, c'est pas aiguise les pieds. Allez, ça continue, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبِيحَ. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand je fais égoïsme, ça arrive aussi. Égoïsme avec gentillesse. Gentillesse, ça veut dire qu'il y a, c'est une fuite de lien. Et quand tu fais, au moment que tu fais égoïsme, ça arrive là, c'est qui tu égoïsme bien vite, c'est-à-dire tu ne vas pas faire ni qu'on vient souffrir. C'est-à-dire même dans le jihad, c'est pareil, c'est qui tu ne vas pas faire un démon souffrir. Maintenant, sa gentillesse qui nous peut causer en quelque chose là, ni codifié par charia. Ni codifié par charia. Donc nous voyons des gens qui ne vont pas comprendre. Donc si on fait un démon, on va dire un démon, il faut faire un crime. Il faut une coupe, la main un démon, après ça, c'est pareil, une coupe sur le pied, une coupe sur la main, comme ça, il y a une coupe sur la tête. Façon qu'il vient agir avec sa jeune, c'est-à-dire qu'il ne peut pas agir pareil avec lui. Il compte dans la gentillesse. C'est-à-dire qu'il comprend, et il y a vraiment tout ce qu'il fait avec sa jeune, que si tu subis, il paraît, le fin de la présentement, elle veut savoir ce qu'il est là. Alors, ce qui était, c'est qu'il pousse après qu'il vient faire là, du moment qu'il vient payer sur pénitence de la terre, qui va arriver, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala
لبقية بو عمر للفوائد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين رسول الله صلى الله عليه وسلم مو أمت على مبادر جدو رسول الله أسد بن مجاهرين ما سأل جمعها قالوا من المهاجرين من المجاهرون صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيسانا سا بن مجاهرون كيدي ساكيبا كاكي بوجي منصا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح يتحدث عنه رسول صلى الله عليه وسلم سأنجم كلي لفين كومين أن بيشي فارو لسوا أبري سا الله سبحانه وتعالى فين كاشتي فين كاشتي أبري سوى بيشي بس ما لو دمان كلي فيه يكو موس أخو جنو كلي فين فيه وما فين فيه بيشي لك أبري سكاتي بو جنو نا كلي فيه سا الله ما قولي Ça veut dire que quand un jour il fait un péché, comme il a fait des gorgées, on dit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, il vient faire tous les temps, c'est il fait un tawba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si il ne peut pas faire ça lui-même, c'est qu'il dit ça du mouna, il met son nafs en péril. Dernier masala qu'il a posé aujourd'hui, après lundi pour le travail, Inch'Allah, c'est que si un jour nous cause chaque matin, nous allons vivre dans un état islamique. Pour être plus là, ça finit son nom. Un jour arrivé, par exemple, un jour qui fait comme adultère, Quand on a dit que les filles commettent adultère, personne ne m'a trouvé. Mais seulement après, il peut regretter. Est-ce qu'il a soumis lui-même à la justice? Ça veut dire que quand on dit qu'on est un vol, ça veut dire qu'il y a l'air à rendre sur les pots. Il fait appliquer capital 20 semaines. Est-ce qu'il est meilleur? Il y a l'air à rendre sur les pots ou bien tranquille, il fait un tour bas avec Allah Soumana. Donc, je vais vous dire qu'il est absurde. Maintenant, une explication. Si ça veut dire Ça y a pour une fois, il fait sa action là. L'inex a regretté, il vient de faire l'intention sincère qui jamais ne pourrait faire sa action là encore jusqu'à l'immobile. Il demande pardon en secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement si ça dit Mouna Astéa, arrivé, il perd, il pourrait tomber là-dedans. Il connaît qui va dire qu'il pourrait tomber là-dedans, il pourrait tomber là-dedans. Ça veut dire qu'arrivé là, le meilleur qui va dire qu'il soumet sur les pots à la justice, ça veut dire. Qui a Allah subhanahu wa ta'ala pour s'apprécier du Père, Allah, Allah, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, subhanallah, il faut le dire, subhanallah, il faut le dire, 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 il faut le dire,